Bienvenue dans le PédagoCast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des podcasts, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le PédagoCast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti! Bonjour et bienvenue donc dans ce premier enregistrement, dans ce premier podcast ou podcours, hein, comme on pourrait également l'appeler. Alors si jamais vous tombez sur ce podcast, soit effectivement vous êtes étudiant de Master 2, donc tout simplement du cours créativité du Master 2 de Rennes 2, ou soit eh bien vous êtes tombé dessus un petit peu par hasard, hein, donc je vous souhaite également la bienvenue. Alors en fait, en gros, hein, par rapport à ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, hein, on est d'accord, l'idée de ces différents podcasts, c'est simplement d'aborder avec vous des thématiques, en fait, tout simplement pour vous aider à réaliser le module de formation que vous devez rendre donc au terme eh bien, de ce cours appelé Atelier de créativité. En gros, c'est atelier de créativité hein, pour la réalisation d'un module de formation en ligne. Alors donc, j'enregistre ce podcast tout simplement en marchant et en allant finalement au travail, en allant donc à l'IMT Atlantique. Et donc finalement, je profite un petit peu de ce temps de trajet, on va dire, parce que j'ai un petit peu la chance de vivre à côté finalement de mon travail, ce qui fait que j'ai 20 minutes en fait de marche en gros, en passant par une petite rivière, un petit sentier sympathique. Eh bien, je profite un petit peu de ce moment-là pour vous faire ces enregistrements. Donc, eh bien, je suis simplement là en train de marcher avec mon téléphone et puis j'ai un petit enregistreur en fait Sony, je pourrais vous donner la marque un jour si vous voulez. Eh bien, qui me permet simplement, c'est un dictaphone, hein, c'est assez connu, hein, c'est assez utilisé notamment par des youtubeurs, etc. Ça permet d'enregistrer assez simplement un format audio comme ça, sans forcément trop de complications techniques. Donc voilà, alors passons maintenant tout simplement à la thématique hein, de ce petit enregistrement hein, que je voulais vous faire aujourd'hui. Alors je voulais en fait vous parler, j'ai abordé avec vous pour la présentation du cours, notamment dans le cahier des charges du cours, que je souhaitais en fait que vous analysiez avant de créer votre module de formation, ce module en fait selon ce qu'on appelle la méthode ADDIE. Alors, pour que les choses soient claires, en fait, la méthode ADDIE, c'est simplement un outil. Pour moi, c'est un peu une checklist qui va vous permettre de vérifier en fait que vous avez bien répondu à toutes les questions, on va dire, qu'on peut se poser avant de créer un module de cours. Alors, juste pour voilà, pour que ce soit très concret pour vous, je vous avoue que moi personnellement, j'utilise pas cette méthode-là, on va dire, à la lettre. C'est pas forcément quelque chose que j'ai eu l'occasion d'utiliser vraiment à la lettre. Pourquoi ? Simplement puisque pour l'instant en fait dans mes différentes missions j'ai souvent accompagné des enseignants ou j'ai réalisé des modules de formation on va dire sans que ce soit forcément des choses trop massives si ce n'est peut-être pour des choses que j'ai enregistrées un petit peu personnellement mais en fait, la méthode ADDIE à la lettre, disons que c'est surtout quand vous allez créer un gros module de formation, par exemple, type MOOC, hein, c'est des choses d'ailleurs que je vais être amené à faire à l'avenir. Mais c'est vrai que, ceci dit, en analysant la méthode, finalement, je me rends compte que je l'applique également quand je crée donc un module de formation. On va tout de suite d'ailleurs aller dans le concret, je vais vous expliquer un petit peu les étapes de cette méthode, qui encore une fois pour moi est plus une checklist. Voilà, mais ceci dit, par rapport à votre travail, à ce que vous devez me rendre, c'est quand même bien que vous appliquiez cette méthode, peut-être pas à la lettre, mais en tout cas dans les grosses lignes. Voilà, simplement pour l'exercice, hein, parce que c'est toujours intéressant de l'appliquer. Alors, la méthode en fait ADDIE, c'est 5 étapes. Donc, A, c'est analyse, D, c'est design. Alors c'est important de le dire en anglais d'ailleurs parce que bon c'est pas dans on va en reparler mais c'est pas dans le côté design au sens Photoshop ou autre du terme hein, c'est vraiment
voilà, on va en reparler de toute façon après. Ensuite, le deuxième D, parce qu'il y a deux D en fait, c'est développement. Voilà. Ensuite, le I, c'est implantation ou implantation. Et le E, c'est évaluation. Voilà. Donc, en fait, ces différentes étapes vont permettre de vérifier, bah, encore une fois, que vous avez fait tout dans les règles de l'art. Alors, on va comme ça dérouler. Hein. Je vais simplement lire avec vous. Là, j'ai sur mon téléphone, notamment, en gros, un document. Hein, vous pourrez simplement taper. Je vous encourage à taper directement ADI, A2DIE, sur Google, hein, pour trouver un document. Il y a des tas de ressources par rapport à ça. Alors, celle que j'utilise d'ailleurs est issue d'un MOOC. Mais voilà, vous pouvez en trouver d'autres, hein, y a aucun souci là-dessus. Alors, on va commencer par l'analyse. En gros, si vous voulez l'analyse, hein, pour faire très simple, c'est simplement se poser les bonnes questions avant de commencer à faire une formation. Déjà, c'est l'analyse des besoins. Qu'est-ce que je souhaite faire? Quel est l'objectif de mon cours? De manière très concrète en fait, hein, qu'est-ce que je souhaite développer par exemple comme compétence, mais c'est également se poser déjà la question de quelles vont être mes modalités pédagogiques, des choses comme ça. Voilà. Si jamais vous êtes sur quelque chose de plus massif, vous allez analyser les moyens que vous avez pour réaliser cette formation, etc. Bon, là dans votre cas, vous pouvez le faire aussi, hein, mais bon, c'est un petit peu moins nécessaire, je dirais. Et l'idée, c'est vraiment de se questionner en fait sur son module de formation, sur comment est-ce que vous allez le mettre en place, sur quelle modalité, formation à distance, formation en présentiel, etc. Et voilà, c'est vraiment le B.A.B.A., se poser les bonnes questions au départ, plutôt des questions, je dirais, de type stratégique entre guillemets. Voilà pour cette première partie donc, qui concerne donc l'analyse. Alors ensuite, dans le modèle ADI, on a la phase de design. Alors, le design, encore une fois, il ne faut pas entendre design, on va dire design artistique. Là, ici, en fait, tout simplement, vous allez aller dans le détail de votre formation et vous allez déjà commencer à réfléchir au parcours, c'est-à-dire, par exemple, à vos séances, à la durée de vos séances. Vous allez aller encore plus loin dans la définition, par exemple, des compétences que vous souhaitez faire développer aux apprenants. Et vous allez même commencer à anticiper également sur les outils, finalement, que vous allez utiliser pour permettre justement à vos apprenants d'accéder à la formation, que ce soit des plateformes de cours en ligne, que ce soit, par exemple, des supports de vidéos, etc. Vous allez commencer à réfléchir à formaliser les choses de ce point de vue-là, même si vous n'allez pas encore les créer, parce que ce sera dans une autre phase. Bon, de toute façon, hein, encore une fois, là je vous donne les grandes lignes. Après, je vous laisse tranquillement en autonomie regarder tout ça dans le détail. En tout cas, cette phase-là, encore une fois, ça va plus dans le contenu. On commence à faire la structure du cours, à définir les différentes parties, etc. Voilà. Ensuite, on va passer donc à l'autre phase donc, qui succède, je dirais, à la phase de design, c'est la phase de développement. Donc là, on va vraiment aller dans le dur, hein, dans le sens où cette phase-là, c'est la création, pour le coup, de tous les supports qui vont servir pour cette formation. Alors, par exemple, si vous avez, je sais pas, par exemple, des vidéos réalisées, bah, c'est le moment, là, dans cette phase-là, de commencer, je sais pas, si c'est des diaporamas sonorisés, bah, créer le diaporama. Si c'est par exemple une carte heuristique à créer, bien créer votre carte heuristique en la présentant, etc., etc. Donc c'est vraiment là une phase de production, je dirais, de vos différentes ressources. Donc là c'est pareil, hein, je vous laisserai aller regarder ça tranquillement. En tout cas, donc cette phase de développement va vous prendre pas mal de temps en fait, pour le coup, si vous êtes surtout sur un dispositif de formation donc à distance. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important à préciser. Donc moi, dans cette phase là par exemple, pour ce cours là bah, typiquement,
quand je crée les vidéos de présentation du cours, quand je vais créer, mettre en place concrètement le syllabus du cours, quand je vais créer ces différents podcasts, tout ça, c'est en fait, ça fait partie de cette phase en fait de développement finalement. Voilà, donc voilà. Encore une fois, je vous laisserai regarder tout ça dans le détail, mais là, c'est ça va faire appel bien sûr là à votre créativité. Ensuite, une fois la phase de développement terminée, on va passer à la phase d'implémentation. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on donne des cours comme ça à distance? Eh bien, c'est qu'on va devoir évidemment choisir des outils. Donc, en fait, on appelle les outils de médiation. En fait, alors la médiatisation, en fait, c'est les outils qui vont nous permettre, c'est les supports qui vont être, on va dire, scénarisés. C'est des supports type vidéo, type podcast, type module de cours, etc. Mais il y a également des outils de médiation qui cette fois-ci vont vous permettre de faire le lien, on va dire, entre les ressources, l'apprenant, vous-même, etc. Donc là, la phase d'implémentation, ça va être une réflexion justement sur la stratégie, sur les outils que vous allez utiliser et puis la mise en place concrète de ces outils. Alors, excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que ça monte un petit peu. Je me rends compte en fait en enregistrant ce podcast que finalement c'est assez sportif en fait le matin comme ça quand j'y vais. Mais voilà, c'est très bien en même temps, ça permet de préserver la santé. Voilà. Donc tout ça pour dire, donc cette phase-là d'implémentation, typiquement, moi ça va être là pour ce cours-là, eh bien quand j'ai créé l'espace de cours sur la plateforme par exemple Moodle de l'université. Ça va être quand j'ai créé le forum, quand voilà, tout ce qui va servir en fait à faire le lien entre encore une fois la ressource, moi-même le formateur et vous donc les étudiants. Donc voilà, donc cette phase d'implémentation, elle est également très importante évidemment dans le cadre des dispositifs de formation en ligne. Alors je vous ferai bien sûr d'autres enregistrements plus spécifique sur des outils que vous allez pouvoir utiliser, il n'y a pas de souci là-dessus évidemment. Mais là je voulais vous en parler assez rapidement. Ensuite, et je vais pas faire trop long, la dernière phase en fait c'est la phase d'évaluation dans la méthode ADDIE. Et ça concrètement en gros c'est l'idée, alors c'est pas l'évaluation que vous allez donner aux étudiants, c'est l'évaluation que les étudiants vont faire de votre cours. C'est ça ce qui est important et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant également qu'ils y aient pensé entre guillemets, parce que moi c'est quelque chose que je mets systématiquement en place, c'est-à-dire une fois que j'ai créé un cours, peu importe, je vais tout le temps évaluer la pertinence de ce cours. Là c'est un petit peu d'ailleurs ce cours là sera également évalué évidemment, et ça me permet justement d'avoir le feedback des étudiants, d'améliorer un peu la qualité du cours, etc. Donc ça c'est important qu'il y ait donc cette évaluation à la fin de votre module. Et c'est ce qui vous permet ensuite d'avoir entre guillemets une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir améliorer par rapport aux commentaires des apprenants et bien votre cours. Donc voilà, donc ça c'est important à mettre en place. Alors j'en ai pas parlé, mais l'autre phase d'évaluation des étudiants eux-mêmes, elle se passe finalement dans les autres, un petit peu en amont finalement de cette phase d'évaluation, que ce soit dans la partie pas forcément dans l'analyse, mais plutôt dans la partie par exemple développement, vous allez mettre en place par exemple des quiz, etc. Et surtout dans la partie également design, vous allez prévoir dans cette partie-là les différentes évaluations, comment vous allez bien sûr évaluer les apprenants. Voilà, je ne vais pas forcément faire trop loin, je vous rassure, mais simplement pour terminer, comme je vous disais, moi personnellement, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise à la lettre, mais quand même, je me suis rendu compte que je faisais toutes ces étapes-là, finalement, d'une manière ou d'une autre. En fait, j'ai pour habitude toujours de créer, par exemple, un syllabus assez complet avec les objectifs, les modalités d'apprentissage. Je vais parler également de l'évaluation de manière précise. Et dans syllabus, je vais également tout le temps mettre un petit peu le séquençage de mes différents cours avec la thématique, etc. Donc ça, c'est vraiment, je respecte quelque part donc cette méthode ADDIE en ce sens-là. Il y a tout le temps un objectif général au niveau des formations que je fais.
Je fais tout le temps également un barème. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas forcément vu cet aspect-là, on va dire, dans la méthode ADDIE, même si elle y est sans doute, hein, sur d'autres, peut-être d'autres sites ou documents. Mais pour moi, c'est très important d'avoir un barème également pour l'évaluation. C'est quelque chose que je mets tout le temps en place également. Donc, je vous invite également à le faire, hein, si jamais vous mettez en place des formations à distance, et je vous invite à le faire notamment pour l'exercice, là, pour votre cours. Et ensuite, évidemment, moi, je vais médiatiser tout ça, que ce soit avec de la vidéo, avec ici des enregistrements sonores, etc. Donc ça, c'est classique. Également avec des chaînes éditoriales, on en reparlera. Et à chaque fois, je vais faire un questionnaire d'évaluation. Alors, je vais bien sûr l'implémenter avec souvent une plateforme Moodle, parfois d'autres outils également. Et ensuite, eh bien, je vais tout le temps évaluer cette formation avec des questionnaires d'évaluation. Donc finalement, au début de cet enregistrement, je vous disais que je n'utilisais pas à la lettre, mais finalement tout y est quand je fais une formation. Et en général, c'est plutôt des formations qui, entre guillemets, qui satisfont les étudiants, dans la mesure où j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus clair possible, que les objectifs soient clairs, que le cahier des charges soit précis, que les contenus, voilà, soient adaptés également. En fait, j'essaie d'avoir une cohérence finalement. C'est souvent ce qu'on appelle la congruence pédagogique. Bon, je ne vais pas forcément vous en parler maintenant dans ce podcast, mais c'est quelque chose qui est important, en fait, d'avoir une cohérence dans l'ensemble. Si un seul point est défaillant, par exemple, vous pouvez avoir un super cours, malheureusement, vous n'avez pas pensé à l'évaluation, par exemple, ou à faire un barème précis, ou à expliciter clairement ce que vous voulez, eh bien, vous allez pouvoir... vous allez parfois être très très mal évalué de la part de vos étudiants, et à juste titre. Voilà, et bien écoutez, j'arrive bientôt à destination. Je vous dis à bientôt, hein, pour le prochain podcast ou le prochain podcours, hein, c'est comme vous voulez l'appeler. Et puis voilà, à très bientôt.